m'appelle Najet Wardad, j'ai 23 ans et j'ai commencé le basket, j'avais 12-13 ans. Puis je fais 1m52. Ma famille est petite, donc j'avais déjà mes frères et sœurs qui jouent au basket. Donc ils m'ont dit, essaie de faire du basket et puis ça m'a motivée. Ça fait 7 ans que je suis partie aux États-Unis. J'avais 15 ans dès que je suis partie de l'INSEP. Je suis partie en high school. Ensuite, j'ai fait 2 ans du New College en Floride. Ensuite, j'ai intégré Auburn de SEC en Alabama. Et c'était une expérience super. Donc j'ai vraiment beaucoup appris là-bas. J'ai dû m'adapter à tout culturellement. Je ne parlais pas anglais. Donc c'était vraiment une dure expérience et ça m'a donné la force d'être super dure mentalement et pouvoir jouer en ligue aujourd'hui. C'est ma première année en ligue. Je suis rentrée des États-Unis au mois de novembre. Je suis rentrée dans l'équipe au mois de décembre. Donc je commence déjà à m'adapter, déjà à revenir en France après un long temps aux États-Unis. Moi, elle m'a impressionnée dès le début quand je l'ai vue parce que c'est quelqu'un qui est très petit dans la ligue. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de joueuse aussi petite. Mais voilà, c'est aussi très difficile, je pense, de défendre sur elle. On commence à la connaître, on commence à trouver des automatismes avec elle. Donc c'est intéressant. C'est la première fois que je coach une joueuse aussi petite. Et c'est un régal parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est quelqu'un qui vit très, très bien dans le groupe. C'est une fille intelligente qui a soif d'apprendre. C'est vraiment agréable de l'avoir dans le groupe. La vitesse, je pense. Après, elle a un bon shoot extérieur. Elle connaît le jeu, mais elle le connaît au rythme NCAA. Elle doit l'apprendre au rythme ligue féminine et c'est totalement différent. Les joueuses ici ont beaucoup d'expérience. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus haut. Elle défend très, très haut, très fort sur le ballon. Sur du tout terrain, c'est vrai que je pense qu'elle est un petit peu chiante à avoir sur le dos tout le match. Donc défense tout terrain. Et après, en attaque, c'est vrai qu'elle peut driver sur les contre-attaques et passer le ballon. Can you hear me now? Future is what I pursue. Seeing clearly now, strength of my ancestors called on freedom fighters, searching for the higher powers, and it's all from these desires. C'est impressionnant aussi de son point de vue parce qu'elle est arrivée. C'était un pari pour elle, un pari pour le club. Et puis elle a pris carte en main et elle a une personnalité aussi qui fait qu'elle peut aller en devant malgré la petite taille qu'elle a, quoi. Je pense que c'est ce qui fait ma force. Les gens pensent que c'est mon défaut, mais je pense que c'est ce qui fait ma force en fait, dans tous les points de vue. Les gens n'ont pas l'habitude de voir une petite d'1m52 jouer au basket, donc ils ne savent pas à quoi s'attendre. J'avais toujours des gens qui me disaient « Non, c'est pas possible, le basket c'est pour les grands, tu n'y arriveras jamais. » En plus, j'ai beaucoup de cœur quand je joue, avec un fort caractère. Donc dès qu'on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, je vais tout faire pour le faire, quoi. My religion, but that's when I found God. Universe is working for me, and I know it sounds.